En Martinique, non loin du mythique Rocher du Diamant, les Anses d'Arlet font partie des plus beaux spots de l'île. Le plus magique est d'y séjourner en voilier, en profitant d'un des nombreux mouillages. Si comme nous vous aimez la tranquillité, je vous conseille l'Anse de la Chaudière, toute proche du bourg et bien moins fréquentée que Grand-Anse. Au-delà des plages paradisiaques et de la mer turquoise, c'est le village du bourg d'Arlet qui séduit les visiteurs. Ses maisons colorées, sa belle église, son front de mer lui donnent une atmosphère particulièrement martiniquaise. Le centre-ville est occupé principalement par des locaux. Il n'y a ni grands hôtels ni résidences touristiques. Remarquez l'inscription sur la banderole du petit marché. Elle nous indique un mode de vie où l'urgence n'est pas une priorité. L'église du bourg, située en bout de ponton, est reconnaissable entre toutes. Elle symbolise parfaitement l'architecture typique des Antilles. Cet édifice coloré est prisé des photographes. L'église est surtout animée le dimanche matin lors de la messe créole à ne pas manquer. Les Anses d'Arlet ont toutes des plages de rêve. C'est un bonheur de se balader entre les barques de pêcheurs posées sur le sable. C'est également des plongées remarquables. Il y a peu de courant, la mer est calme et vous aurez donc beaucoup de visibilité pour apercevoir tortues, murènes et autres poissons tropicaux. Toute l'année en Martinique, le baromètre indique 25 à 30 degrés. Pour se désaltérer, quoi de mieux que déguster un jus de coco fraîchement coupé ou encore une piña colada à l'ombre des cocotiers. Les Anses d'Arlet et son bourg font partie de nos sites préférés de Martinique. Elles ont su garder leur âme d'antan, ce qui leur donne un charme incomparable. Ah, aussi, ouais, c'est merci, c'est vraiment...